généralement de toutes sortes de nutriments, en particulier de micronutriments, et les plantes sauvages peuvent apporter à l'organisme toutes sortes de choses que l'alimentation civilisée, cultivée, habituelle ne leur apporte pas. AVS avec Philippe Robichon. AVS, pour à votre santé naturelle ce matin, masterclass. Ouvrez toutes et tous vos oreilles, je reçois François Couplan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes ethnobotaniste, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles que vous avez étudiées sur les 5 continents et dont vous êtes le pionnier en Europe, autant dire que vous êtes la référence en matière de plantes sauvages comestibles. On vous doit l'encyclopédie des plantes sauvages de l'Europe, un ouvrage de référence aujourd'hui. Et vous êtes là pour nous parler de l'art de la cueillette, des bienfaits nutritionnels des plantes sauvages aux éditions Les Liens qui Libèrent. Votre grand-père, qui était médecin à Vichy, était un passionné de jardinage auquel il consacrait tout son temps libre et il bichonnait sur un petit terrain clos en pleine ville ses fleurs et ses légumes rares. Et il vous a légué un livre, l'édition de 1891 du catalogue des plantes potagères de Villemorin-Andrieux. Et racontez-vous, vous passez des heures à le feuilleter et c'est là que vous avez lu pour la première fois la description du pourpier. Pourpier qui aujourd'hui est une plante que vous aimez beaucoup mais qui n'est pas facile d'utilisation. Oui, alors pourpier déjà c'est une plante qu'on rencontre très fréquemment. Je pense que la plupart des gens l'ont vu, ne l'ont peut-être pas forcément reconnu. C'est une plante qui rampe, qui pousse toute seule et c'est assez ambigu parce qu'elle pousse toute seule et pourtant on la cultive également. Voilà. Plante qui... Alors, est-ce que celle qui est cultivée a les mêmes propriétés que celle qui est sauvage ? Alors, les mêmes propriétés, on peut dire oui, ouais. Mais pas exactement le même aspect, pas forcément exactement le même goût non plus. Et pas très facile d'utilisation pour nous, oui, effectivement, parce qu'elle a un côté que beaucoup de gens n'aiment pas. Ici, c'est le côté gluant. C'est gluant, c'est mucilagineux. Alors c'est bien, ça lui donne des propriétés laxatives par exemple, donc on se fait du bien en même temps qu'on se nourrit, ce qui est une excellente chose, mais pour l'utiliser c'est plus délicat. Alors moi j'aime bien faire des omelettes par exemple, ou des quiches de pourpier, et ça passe bien, c'est agréable. Et puis voilà, c'est plutôt une plante d'été, hein, mais qu'on rencontre en grande quantité. Et quelles sont ses vertus à cette plante ? Alors, justement, elle est d'abord, c'est un bon légume, hein, donc ça a déjà des vertus nutritionnelles intéressantes, hein, ça c'est important, c'est la base de ce que je raconte dans mon bouquin, hein. On manque généralement de toutes sortes de nutriments, en particulier de micronutriments, et les plantes sauvages peuvent apporter à l'organisme toutes sortes de choses que l'alimentation civilisée, cultivée, habituelle ne leur apporte pas. Dans le cas du pourpier, ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien, je vous dis, c'est le côté, justement ce côté très doux, ce côté très, ça passe tout seul, voilà, ça permet de digérer son repas d'une façon sereine, et parfois c'est pas mal. Attention aux fausses nouvelles, hein, ancrées dans les croyances populaires pour ce qui concerne les plantes, notamment les plantes sauvages. Hein. Vous avez toujours cru ce qu'il y avait dans les livres jusqu'à ce que vous constatiez par vous-même que tout n'était pas vrai, d'ailleurs, dans les livres. Alors, d'abord, il faut dire une chose, c'est que quand moi j'explorais le monde végétal et le monde végétal alimentaire en particulier, les livres, il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Donc... j'ai eu des surprises parfois, comme je lisais quand j'étais aux États-Unis, j'ai passé beaucoup de temps à vivre dans les bois aux États-Unis, et j'en sortais pour me documenter un petit peu, pour savoir ce que j'allais pouvoir trouver justement et comment me nourrir. Et je me souviens ils appellent ça sugar pine aux États-Unis, donc le pain à sucre. Ouais, le pain à sucre. Donc on se dit, attends, c'est chouette. Et puis ils disaient, ouais, les Indiens utilisaient la sève de cet arbre pour édulcorer leurs plats. Ok. Bon, quand j'ai essayé ça, alors c'est un petit goût légèrement sucré, mais c'est pas comme du miel. Hein. Je veux dire, ça restait résineux. Jamais réussi à en faire quelque chose que j'ai trouvé terriblement juste. Donc, ouais, bien sûr, les livres. Bon, les livres, c'est souvent des compilations aussi. Hein. Il y a je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais souvent on reprend des histoires qui ont été racontées plus loin, alors que c'est bien, hein, c'est bien de savoir ça, mais il faut expérimenter soi-même directement. Ou alors rencontrer des gens qui ont expérimenté ou qui ont cette culture.
Ouais, bah, il y en a de plus en plus, heureusement. Je suis peut-être pas totalement étranger au fait que ce soit, que la bonne nouvelle se soit propagée, si je puis dire. Mais enfin, à mon époque, de toute façon, d'abord, dans la vie, il faut avoir de la chance. Ça, c'est une chose, et moi, j'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours effectivement rencontré des personnes qui connaissaient des choses et qui les ont partagées avec moi, des personnes dans différentes cultures, dans différents coins du monde. Mais voilà, il faut y aller, il faut faire l'effort de rechercher. Maintenant, autour de nous, c'est plus facile. Vous avez 16 ans quand un vieil instituteur féru de botanique vous initie au mystère des plantes sauvages. Qu'est-ce qui a tapé dans votre oreille à ce moment-là? Bah, les sonnets classiques qu'il me racontait, c'était un vieux monsieur qui avait été instituteur, effectivement, qui était membre de la Société Botanique de France, et qui était passionné de poésie et de botanique, donc. Et il mettait en vers les découvertes qu'il faisait, c'est les observations qu'il faisait sur les plantes sauvages. Et comme il avait été blessé pendant la Première Guerre mondiale, il avait du mal à se déplacer, donc il m'envoyait, il me donnait des pistes, c'était vraiment une enquête. À chaque fois, il me disait, oui, vous allez, il me vouvoyait, moi j'avais 16 ans, il en avait 80, il me vouvoyait, vous voyez, c'était un peu l'ancienne école, n'est-ce pas? Et il m'envoyait à la découverte de telle ou telle plante, la spirule odorante, ou la drosera, par exemple, ou les fènes des hêtres, ou les choses comme ça. Et quand je revenais, il sortait son cahier, et il me lisait le poème qu'il avait écrit sur la plante en question. Même maintenant, je trouve ça encore émouvant, quoi. Une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir récupéré tous ces documentation. Bah oui, mais j'étais jeune et je ne savais pas la valeur des choses. Ouais. À quel moment l'idée de vous nourrir des végétaux que procure la nature est-elle devenue votre façon de vivre? Alors, j'ai eu des bases déjà quand j'étais petit avec ma mère, avec qui on cueillait des plantes relativement simples, hein, comme ça se faisait peut-être encore pas mal à l'époque, des myrtilles, des framboises, des champignons, des pissenlits et des choses comme ça. Donc c'était une base, et ça c'était important parce que j'ai toujours considéré que c'était complètement normal de me nourrir de plantes sauvages en complément de ce que je mangeais habituellement, les bons plats de ma maman. Et puis, quand j'ai eu 12 ans, je me suis dit, mais la société dans laquelle je vis, il y a un truc qui va pas. Les gens autour de moi, ils font pas ce qu'ils disent. Ils disent aimez-vous les uns les autres, ils disent soyez sympas, ils disent respectez, machin et tout. Et ils le font pas. Attendez, j'étais complètement naïf. Moi, j'ai été pendant longtemps assez naïf, hein, quand même, je veux dire. Et là, je me dis, mais pourquoi ils le font pas? Comment ça se fait? Donc, ça marchait pas. Voilà. Et puis je continue à vivre là-dedans, et puis il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, hein. Comme mon père, qui venait d'une famille de pauvres paysans bretons, avait transcendé, si je puis dire, ses origines en s'engageant dans l'armée, en devenant un officier de la glorieuse armée française, moi je devais faire polytechnique pour devenir un des fleurons de notre bonne société. Sauf qu'en 1968, j'ai eu 18 ans, et qu'à 18 ans, surtout en 68 en l'occurrence, j'ai eu d'autres occasions de me défouler que d'aller suivre mes cours de maths et de faire l'imbécile au tableau noir avec une craie pour essayer de montrer ce que je ne savais pas. Donc on m'a viré, et donc un certain nombre de portes se sont fermées devant moi. Et quand j'ai eu 20 ans, je me suis dit, non, mais attends, ça va, qu'est-ce que je fais dans cette société, dans un chien? Je veux dire, c'est pas fait pour moi, ça m'intéresse pas. Donc, ce qui me paraît logique, à ce moment-là, c'est, si on trouve que la société ne nous convient pas, on s'en va. À l'époque, j'ai décidé de partir au fond des bois. Partir vivre au fond des bois. Mais aux États-Unis, à une époque où on ne voyageait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, quand même. Alors, j'ai commencé à le faire parce que j'ai rencontré un tonton à moi. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, parce que ça m'a beaucoup changé la vie, ça. Ce tonton, il était végétarien. Et dans ma famille, on était des carnivores, parce que vu qu'on est d'une famille pauvre, eh bien, manger de la viande, ça voulait dire qu'on était des gens bien, qu'on était des gens riches. Et moi, j'adorais la viande, et j'aime le gras, surtout. Hein. Mais voilà. Et donc j'en mangeais trois fois par jour, donc je suis tombé malade, quoi. 20 ans, j'étais malade. Les médecins, ils comprenaient rien. Dans ma famille, ils étaient médecins, ils comprenaient rien.
Bon, et j'ai rencontré un tonton à moi qui était végétarien justement, qui avait eu le temps de philosopher un petit peu parce qu'il avait fait de la prison après la libération, parce qu'il était du mauvais côté, et il m'a expliqué un petit peu d'autres choses que la vision qui m'était donnée du monde dans lequel je vivais par mon bon milieu bien bourgeois, quoi, finalement. Voilà. Et donc, ça m'a fait prendre conscience qu'on pouvait faire les choses, concevoir, mais vivre le monde d'une façon différente. Et vivre le monde d'une façon différente, il faut le faire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre, survivre. Première chose qu'un organisme tend à faire. Hein. Donc, pour nous, c'est respirer, c'est boire et c'est manger. Respirer, boire, ça va, j'étais dans les Alpes de Haute-Provence, donc ça va, je trouvais. Mais me nourrir, eh ben là, le déclic, il était simple. Quand j'étais petit, je mangeais des plantes sauvages, donc je me suis dit, je me fais un cours accéléré, et comme ça, je pourrais partir vivre dans les bois. J'ai fait ça dans les Alpes de Haute-Provence, ensuite en Corse, et puis après, je suis parti aux États-Unis. Et là, c'était la voie royale, quoi. D'accord, vous êtes resté combien d'années dans les bois aux États-Unis? Alors, je suis resté 10 ans aux États-Unis, mais j'étais pas tout le temps dans les bois non plus. C'était aussi l'époque post-hippie, c'était peace and love, comment je peux dire, c'était des festivals où tout le monde se retrouvait tout nu dans la nature, etc. C'était sympathique, hein. C'était très sympathique. C'est-à-dire que vous preniez pas que des plantes pour vous nourrir? Alors ça, c'est quand j'étais à Paris, je prenais toutes sortes de plantes qui étaient faites pour nourrir un petit peu mon esprit, on va d'accord, dire. Ouais. Hein, mais dans les bois aux États-Unis, c'était pour vous nourrir. Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, dans ces festivals, c'était no drugs, no dogs, no alcohol, no smoke. C'était vachement clean. C'était le trip, je sais pas quoi, le trip spirituel au fond des bois, quoi. C'était pas mal. On se berçait de beaucoup d'illusions, évidemment. On était jeune, n'est-ce pas? On peut être jeune à tout âge, mais là, on l'était vraiment. Et la chose qui était vraiment super, en dehors du fait qu'il y avait une ambiance géniale, quand même, c'est vachement agréable, quoi. On se prend dans les bras et tout. Bon, il y avait de la sincérité dedans, quand même. C'était pas du pipeau. Mais pour moi, ce qui m'a fait grandir, c'est que ces gens se sont rendus compte que je connaissais les choses sur les plantes, alors que moi, j'en avais aucune notion. Finalement, et m'ont demandé... Vous n'aviez pas conscience de l'importance de votre savoir? Non. Non. Non, j'en ai toujours pas conscience, je crois, d'ailleurs. Franchement, parce que c'est tellement immense. C'est tellement immense. Et on ne peut en connaître qu'une telle fraction. Simplement, je le mettais dans ma vie de tous les jours, je le vivais, ouais, c'est clair. Et ça branchait bien les gens, quoi. Et c'est eux qui m'ont demandé de partager avec eux. Et puis, businessman comme sont les Américains, il y en a qui m'ont dit, mais attends, tu pourrais t'en faire ton job. Donc, j'en ai fait mon job aux États-Unis, puis je suis retourné en France pour suivre mon amie américaine qui voulait savoir comment vivaient les Français. Ah ouais, il y a des vrais gens, il y a des vraies voitures, il y a des vrais arbres, il y a des vrais... Attends, bah ouais, ils sont un peu déconnectés quand même, les Américains. Masterclass avec François Couplan, qui est notre invité aujourd'hui. Vous êtes ethnobotaniste, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles, que vous avez étudié aujourd'hui sur les 5 continents et depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Et vous publiez votre dernier livre qui s'appelle « L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages » aux éditions Les Liens qui libèrent. Toutes ces plantes dont vous parlez, alors moi je veux dire, j'en connais aucune, la plupart. Enfin, je connais les basiques, mais beaucoup de noms sont étrangers à ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé en bas de l'immeuble, vous avez dit, vous avez... Ah, j'ai trouvé un magnifique lamier en plexicole. Là, je suis en train d'explorer Paris en ce moment, parce que c'est le printemps, ça jaillit de tous côtés. Et je n'avais pas rencontré encore le lamier en plexicole ici, juste en bas, il y en a plusieurs pieds. C'est très joli, c'est une plante qui est proche de la menthe, mais qui n'est pas odorante comme la menthe. Il fait des petites fleurs roses dressées comme ça, c'est mignon comme tout. D'accord. Et alors, on l'utilise pourquoi? Oh, ça se mange. Hein. Toutes les plantes de la famille de la menthe, c'est pas toxique, ça peut se consommer. C'est pas la plante qui fait le plus frémir mes papilles, mais c'est sympathique. De toute façon, j'aime bien la diversité. Connaissez-vous le mouron des oiseaux? Oui, je l'appelle stellaire, plutôt pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le mouron rouge. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle gagne à être connue? Parce que c'est une des meilleures plantes à salade qui soit. J'ai beaucoup de meilleures plantes à salade que je préfère. Hein. Mais ça, c'en est une. Ah, ça pousse, c'est une mauvaise herbe, mais vous avez entendu que j'ai mis des guillemets, bien sûr, qui pousse dans tous les jardins.
Il y en a partout. Et alors ça, à Paris, par contre, mais il y en a au pied de tous les murs et au bord de tous les trottoirs. Hein. C'est fréquent. On ne va pas forcément le ramasser. Oui, non, ça ne donne pas non, très envie. Non. Mais là où on peut ramasser des plantes, comme par exemple dans un jardin ou dans un sous-bois, on l'accueille, on en fait des salades, puis c'est juste bon, c'est tellement bon que ça se mange comme ça, quoi. On en brouterait. Et c'est gratos en plus. Ah ben c'est gratos, oui. Bah c'est quand même. Non, mais faut quand même le dire. Il faut le dire. C'est gratuit. Mais c'est bien pour ça que quand je suis parti vivre dans les bois, moi j'ai pas dépensé grand chose. Hein, je peux vous dire. Mais oh, oui. Mais même hein, pendant le Covid, on s'est confiné à la campagne et avec ma femme, tous les jours on descendait dans notre jardin ramasser des mauvaises herbes, justement les plantes qui poussent toutes seules. On ajoutait un oignon, des carottes, un morceau de fromage et tout. Et puis on a fait plein de trucs, puis d'autres choses quand même. On a créé plein de recettes, on avait plein de choses. Mais on s'est nourri pendant 2 mois et demi pour 5 € par jour à deux, quoi. Faut le dire quand même. 5 € par jour à deux. Et sans carence, hein, c'est ça aussi qu'il faut expliquer. Sans carence alimentaire. Alors, ça c'est pour moi la base. J'ai 74 ans, ce qui commence à devenir relativement vénérable. Et je me sens bien. Et donc je pense que c'est lié au fait que je consomme régulièrement des plantes. Et c'est le sujet de ce dernier bouquin, L'art de la cueillette, où je présente les différents nutriments. Je les prends un par un. Enfin, comment dire, j'explique quels sont nos besoins et en quoi les plantes sauvages peuvent y répondre. Et au niveau des micronutriments, et on est en carence. Ici, on est en carence de vitamine C, de magnésium et divers autres flavonoïdes, souvent des antioxydants. Et ça, c'est gênant. C'est gênant parce que l'organisme, il a des ressources, mais il y a un moment où c'est quand même pas mal de lui apporter ce dont il a besoin de façon régulière, cool comme ça. On apprécie mieux la vie, je trouve. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir l'ethnobotanique ? Je pense assez simplement, ethnos c'est le peuple, botanos la plante, donc en gros c'est l'étude de la façon dont les peuples de différentes cultures se relient au végétal. Donc en particulier, mais pas que, la façon dont ils utilisent les plantes à toute fin possible. Vous, vous expliquez hein, qu'il vous faut manger quotidiennement des feuilles d'arbres, par exemple, même en petite quantité. D'arbres, des feuilles d'arbres ou des feuilles de plantes herbacées, hein, mais des feuilles vertes en tout cas. D'accord. Et ah ouais, j'ai besoin de feuilles vertes. C'est là où il y a le plus de micronutriments. Alors, je ne sais pas, vous savez, c'est toujours un petit peu difficile de dire, c'est vraiment ce que je ressens, et je le ressens vraiment, vraiment très fort. Ouais. Est-ce que c'est purement intellectuel ? Est-ce que c'est véritablement un besoin physiologique ? Est-ce que c'est parce que mes papilles aiment ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore démêlé les chevaux, mais en tout cas, j'en ai besoin, et quand j'en mange, et quand je le fais régulièrement, je me porte bien. Et alors, par exemple, aujourd'hui, quel va être votre repas? Alors là je suis venu à Paris là aujourd'hui. Je suis à Paris, mais hier j'étais au parc André Citroën dans le 15e, ouais, ouais, à côté, ouais, de France Télévisions, ouais. Et dans le parc André Citroën, j'ai découvert un gisement, un champ, une forêt de masserons. Masserons, c'est une plante qui habituellement pousse sur le littoral plutôt, ou dans la région méditerranéenne. Et là, mais il était tellement beau, tellement magnifique. Il y a des gens qui nous écoutent, là. Oui. Je ne peux pas dire que j'en ai cueilli. Non. Bon. Mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Donc, j'en ai cueilli. Ouais. Et ça, plus un petit peu d'ail des ours que j'ai rapporté, que j'avais apporté avec moi, parce qu'il y en avait tellement. Il y en avait tellement que je n'ai pas pu tout manger. Il faut y aller, comment dire, modérément aussi. Hein. Avec parcimonie et bon escient, comme on dit. Voilà. Ouais. Pas d'abus, même des bonnes choses. Eh bien, voilà. Vous avez fait quoi avec masseron, alors, ouais. Ah ben, un oignon revenu avec dans l'huile d'olive, ok. J'aime bien mettre quelques rondelles de carottes quand j'en ai là, j'en avais pas, mais j'aime bien mettre quelques rondelles de carottes, ça donne un petit peu de couleur, ça donne de saveur et tout. En cultivé, c'est tout. Et puis, donc là, en l'occurrence, du masseron. De l'ail des ours à la fin, je le mets à la fin pour pas, comment dire, que la saveur s'évapore. Et puis à la fin un petit peu de fromage. J'aime bien mettre un petit peu de fromage avec, ou quelques anchois ou des trucs comme ça. Moi, pour moi, alors c'est parfait quoi. Une bonne rasade d'huile d'olive quand même. Puis après je décline ça de toutes sortes de façons.
Et les jours plus festifs, eh bien, on fait d'autres choses, évidemment. Là, on va inviter une voisine dimanche, on va lui faire quelque chose d'un peu plus complexe, je sais pas, comme vous savez, alors le soufflet, bien sûr, ou les gougères, j'aime bien les gougères farcies avec des plantes sauvages. Je hache les plantes sauvages, je fais une préparation, une purée dedans, et puis quand les gougères sont cuites, j'ouvre le fond, pouf, j'en mets un petit peu, je remets à chauffer, un petit peu de fromage par-dessus, et voilà, c'est cool. Ça, c'est pour dimanche. C'est pour dimanche soir. C'est jour de fête. Eh. Alors, vous avez, je le disais tout à l'heure, cru longtemps ce que disaient les livres, jusqu'au jour où vous avez mangé de la brionne. Et on vous avait dit pendant des années que la brionne, c'était toxique. Je l'ai même écrit moi-même. Ouais. Et là, c'est un couple qui vous dit, non, nous, on se fait... Alors, oui et non, c'est là où c'est intéressant, parce que l'être humain, pour nous, on aime bien quand c'est oui, c'est bon, ou non, c'est toxique, ouais, en l'occurrence. Bon, surtout quand on s'initie, en fait. Non, même d'une façon générale. Et dans tous les domaines de la vie, on aime bien quand c'est simple. Ouais. Notre cerveau, il fonctionne de façon discrète, binaire, manichéenne. On est binaire. Et bien, la réalité, c'est pas ça. C'est que la brionne, oui, c'est vrai, c'est toxique. La racine de brionne, alors ça, c'est un laxatif, mais du tonnerre de Zeus. Les anciens, ils prenaient de la racine de brionne, ils creusaient un petit trou dedans, ils mettaient du sucre, ils laissaient fondre, ça faisait un sirop, ils buvaient, et après, waouh, alors le ventre larchait, comme on dit, quoi. Vraiment efficace, quoi, efficace. Mais là, c'est pas ce que j'utilise, ce sont les petites pousses, et uniquement les petites pousses. Et les petites pousses, mais faut pas les manger crues, faut les blanchir, simplement les blanchir. D'accord. Et après, on les mange comme des asperges, c'est vraiment trop bon. Voilà. Et là, ça, vous expliquez dans votre livre, les asperges, il y en a de toutes les sortes. Il y en a de toutes les sortes. Des sauvages, des... Enfin... Oui, et puis il y a des choses qu'on appelle asperges et qui ne sont, sont pas des asperges. Voilà. Ouais. Les jets de houblon, par exemple, ou les pousses de clématite, là, vous avez de la clématite. C'est très bon pour dormir, le houblon. Alors, ce qui est bon pour dormir dans le houblon, c'est les cônes de houblon. Parce que là, je parle des petites pousses, vous voyez. Il faut bien comprendre que les choses sont simples, mais compliquées. D'accord. Et nous, en bas, on a des clématites. Ah, vous avez de la clématite, ouais. Ouais. La clématite, ouais. Ça se fume aussi, hein, la clématite. Enfin, pas de la même façon que d'autres plantes. Mais on l'appelle bois fumant. Quand on était petit, vous n'avez jamais fait ça. Vous coupiez les tiges de clématite séchées, on l'allume à un bout, on tire, on est malade comme un chien, mais on est content parce qu'on a bravé les interdits. Ça s'appelle le bois fumant. Alors, pendant longtemps, notre alimentation a été constituée de 96% de la vie de notre espèce par la cueillette des plantes sauvages, et c'était la base de notre alimentation. Ouais, et je le démontre. Et aujourd'hui, finalement, ça représente quel pourcentage de notre alimentation ? Alors, Occident, on va dire. Hein. En Occident ? Ouais. En Occident, c'est 0,00000000... Attendez, faut pas que j'aurais oublié, 0,1%. Ouais. D'accord. Comment est-ce que ça a été banni de notre alimentation ? Ça a été progressif. Le premier gros changement, c'était l'agriculture. Il y a à peu près 12 000 ans, on se sédentarise, on voit qu'il y a des plantes autour de nous qui nous apportent des glucides. Glucides, on en a besoin, c'est bien, c'est chouette, ce sont des graminées, en fait, des céréales, hein, des légumineuses un petit peu aussi. Et puis, on se rend compte, par exemple, que c'est... Avec ces céréales, on peut faire de la bière, aller se promener un petit peu ailleurs. Et puis, d'un autre côté, on voit qu'on peut stocker aussi ces grains. Donc, ça veut dire qu'on invente la richesse, qu'on invente le statut, parce que celui, c'est toujours le cas, je vois dans les villages africains, par exemple, celui qui fabrique la bière 2000, parce qu'il a plus que les autres, il peut se permettre de gaspiller pour faire plaisir à l'ensemble de la communauté, il gagne en statut, il va devenir le chef, etc. Donc, on développe rapidement les hiérarchies, et quand il y a hiérarchie, statut, on va y revenir, et en même temps, on développe un type d'alimentation différent qui favorise la natalité, mais il faut suivre parce qu'il faut que la production arrive à suivre le développement de la population, ce qui marche pas très bien. Voilà. Mais donc, on rentre dans une sorte de cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Et pour ça, il faut beaucoup de production de base, beaucoup de production de céréales, et le reste, on le laisse un petit peu de côté. Voilà. Même s'il y a beaucoup de cultures où les deux coexistent, et ça peut très bien marcher, hein. Ça peut très bien marcher. Mais nous, en Occident, on a des trucs un petit peu différents. On a voulu vraiment mettre, l'accent sur la différence de classe.
Il y a la classe des élites et puis la classe du peuple. Et la classe des élites, elle veut se démarquer par l'habitat, habiter dans des châteaux, par l'habillement, mettre des habits teints avec des couleurs vives qu'on ne trouve pas dans nos régions, il n'y a qu'eux qui peuvent le porter, des habits qui montent bien et qu'on ne travaille pas, la langue, on parle la langue de cour plutôt que les patois, etc. Et puis dans l'alimentation, ben on mange de la viande, parce que la viande c'est particulièrement valorisé, c'est un peu plus compliqué que le végétal. D'ailleurs vous vous posez la question de savoir à partir de quand on a mangé carné en fait. Toujours. On a toujours mangé carné. Toujours mangé carné. Oui, oui. Oui, moi, je pense. Nos plus proches cousins, primates non humains, sont à des différences, enfin à des taux différents, folivores, frugivores et insectivores. Voilà. Alors, folivore, c'est quoi? Folivore, c'est on mange des feuilles. D'accord. Frugivore, on mange des fruits. Et insectivore, on mange des insectes et donc de la viande. Voilà. D'accord. Mais j'en reviens à notre histoire du Moyen-Âge, où le végétal a été dévalorisé, et à l'intérieur du végétal, toute la partie cultivée était bien. C'était quelque chose. Quand on mangeait des haricots verts, qui ne viennent pas d'ici et qu'il faut cultiver, ça dénotait un statut supérieur. Donc si on mangeait de la soupe d'ortie, ça voulait dire aux yeux de tout le monde, moi je suis un moins que rien. Donc à partir de ce moment-là, les plantes sauvages, ça a été complètement laissé de côté parce que ça dénotait un statut inférieur. Alors c'est magnifique l'ortie, il y a plein de protéines dedans. Ah oui, il y a plein de protéines dedans, ouais. Il y a... ce que tout le monde ne sait pas, hein, finalement. Non, ce que tout le monde ne sait on pas. On n'imagine pas qu'il y a des protéines dans les orties. Ça c'est... Alors, il n'est pas difficile d'avoir l'information sur le fait que tout contient un équilibre, enfin, entre glucides, protides, etc., choses comme ça. Bon, donc, y compris dans les feuilles, il y a des protéines, d'accord. Ça, mais en quantité relativement faible par rapport aux produits animaux, et surtout ce qu'on disait, et ce qu'on a pu dire jusqu'aux années 80, c'est que ces protéines foliaires, elles étaient carencées en acides aminés essentiels. Ça veut dire qu'autrement dit, quand on mange des céréales et des légumineuses, la valeur... ce qu'on retire, la quantité de protéines qu'on en retire est moindre qu'à poids égal pour de la viande. Okay. Alors on va revenir là-dessus parce que ça c'est un point fondamental. Ok. Hein, parce que, et c'est une idée qui circule encore aujourd'hui sur la qualité, c'est un peu bête. Des protéines, notamment végétales. François Couplan est avec nous, ethnobotaniste. On parlait tout à l'heure justement de ces acides aminés que l'organisme ne sait pas fabriquer. Mmh, hein, les fameux les acides aminés. Dit essentiel. Ouais. Il y en a 8 ou 9, il y en a... Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Exactement. Alors, et donc, finalement, il faut les chercher dans l'alimentation. Ah, on est obligé. Mm. On est obligé. Donc, la doxa, comme on dit, propose qu'on aille les chercher dans les produits animaux. Parce que, effectivement, les protéines sont équilibrées en acides aminés essentiels. Bien sûr, c'est vrai. Et pendant longtemps, on pensait que les protéines végétales ne l'étaient pas. Mais dans les années 80, dans les années 70 d'ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits par des gens de l'Institut agronomique qui travaillaient sur des protéines végétales issues de luzerne et d'autres plantes pour concurrencer le soja américain pour donner aux animaux. Et ils ont publié un excellent petit ouvrage qui montre que les protéines vivantes, donc liées aux parties chlorophylliennes des végétaux, sont équilibrés en acides aminés essentiels de la même façon que les produits animaux, qu'il n'y a pas de différence. Mmh. Donc voilà. Alors elles sont métabolisées de la même façon. Ouais. C'est simplement. Alors ça, c'est une information qui ne circule pas. Hein. Non. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Moi, j'ai eu contact avec le professeur Coste en lui demandant est-ce qu'on peut extrapoler à vos résultats, parce qu'il en a fait pas mal, mais il n'a pas tout étudié, bien sûr. Est-ce qu'on peut extrapoler à toutes les plantes, y compris aux plantes sauvages? Il m'a dit oui, les résultats sont là et il le montre, il n'y a pas de problème. Après, qu'il y ait des facteurs antinutritionnels dans les feuilles, il ne faut pas manger n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais au niveau des protéines, on n'a pas de risque de carence si on consomme. Alors, évidemment, les nutritionnistes vous diront, ouais, mais la laitue à iceberg et puis le blanc de poireau, il n'y a pas grand chose. Et dans le ver de bête et dans les épinards, il y a des oxalates. Ben oui, ils ont raison, bien sûr. Mais c'est qu'ils voient les choses de façon un petit peu étroite. Moi, j'ai la chance de pouvoir les voir de façon beaucoup plus large et donc de dire, attendez, mais vous avez un panel d'aliments végétaux dans lequel vous pouvez puiser et puis franchement, après, il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, entre nous soit dit, carence en protéines, c'est pas le plus gros problème qu'on a, nous, en Occident.
Nous, notre problème, c'est la carence en micronutriments, entre autres la vitamine C. Vous voyez ? Et c'est la vitamine la C. La bonne nouvelle, la vitamine C, on les trouve dans les plantes sauvages. Et la bonne nouvelle, c'est que ça permet de démontrer le principe de la vitamine C qu'on ne stocke pas. Le fait qu'on ne stocke pas la vitamine C montre que les plantes sauvages sont notre alimentation normale. Parce que ça fait quand même 61 millions d'années que l'organisme ne fabrique plus, donc celui de nos ancêtres, hein, déjà, mais nous, on l'a hérité, ne fabrique plus de vitamine C, enfin, ne stocke plus de vitamine C, voilà, et qu'on est obligé de la fournir dans l'alimentation. C'est parce que c'était une économie pour l'organisme de ne pas en fabriquer, puisque de toute façon, il y en avait partout, dans tous les aliments qu'on consommait. Or, où est-ce qu'on trouve de la vitamine C ? Ben dans les feuilles vertes, et en particulier dans les feuilles de plantes sauvages, également dans les fruits d'ailleurs, mais on ne le sait pas, mais beaucoup dans les feuilles. Voilà. Et donc, pour moi, ça me permet de démontrer à peu de frais que notre alimentation normale, qui nous apporte ce dont on a besoin, ben voilà, c'est les plantes sauvages. Alors, l'être humain est omnivore. Ouais. Ce qui veut dire qu'il mange de tout. Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous arrivez à répondre à cette question ? Quelle est l'alimentation la mieux adaptée à notre organisme ? Ouais, alors, comprenez, notre problème à nous, c'est qu'on est des animaux culturels. Si vous dites la mieux adaptée à notre organisme, ça ne veut pas forcément dire... De base, on va dire. Bon, de base, c'est un équilibre. Alors, on va résumer, hein, en résumé, en prenant les différents nutriments. Un peu de glucides, on en a besoin, mais pas autant qu'on en consomme depuis les débuts de l'agriculture et qu'on continue à en consommer à l'heure actuelle. Donc, et là, des glucides, il y en a dans les plantes vertes, hein. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ouais, mais il y en a peu. Il y en a. Les glucides... Il y en a moins que dans le coca. Ah non, attention, quand je parle de glucides, je ne parle pas que de sucre. Je ne parle pas que de sucre qu'on sent sucré, mais je parle de tout ce qui est amidon. Et notre grosse problématique à l'heure actuelle dans nos régimes alimentaires occidentaux, et pas que. Moi, j'ai un ami qui est en Afrique, il mange beaucoup de pâtes, de foufou et de machins comme ça. Traditionnellement, il mangeait de la sauce avec. Alors, la sauce, elle apporte justement les protéines, elle apporte tous les micronutriments. Et c'était de la sauce à base de plantes. Pardon ? C'était de la sauce à base de plantes. Absolument. Ouais. Mais maintenant, on ne veut plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est manger du riz à la sauce tomate chinoise, ou au mieux du foufou avec un petit peu de sauce cacahuète. Ils ont du diabète. Et ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez, ça existe beaucoup, on le sait. Et le problème, c'est ça, c'est cette sur-ingestion de glucides, de riz, de pâtes, de pain et de choses comme ça, par rapport aux autres éléments dont on a besoin. Si on veut de l'énergie, l'idéal, c'est les lipides. Les lipides. Donc les gras. Oui, des gras, du bon gras, comme on dit, hein. Mais des lipides, ouais, c'est parce que ça fournit davantage, d'énergie par rapport au poids, et c'est un bon complément d'apport d'énergie aux glucides, plutôt que de laisser les glucides tout apporter. Alors, quelles sont les plantes où on trouve les lipides ? Oh ben, les lipides, c'est les plantes oléagineuses, hein. Alors, dans nos plantes sauvages, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ça sera surtout les noisettes, les fennes, les choses comme ça. Mais, si vous voulez, moi, mon approche à moi, c'est de complémenter une alimentation, qu'on peut dire normale, qu'on peut dire civilisée, enfin, moi, c'est ce que je fais, par tout l'immense profusion et la diversité de plantes sauvages qui existent pour se faire plaisir aux papilles, moi c'est ma première motivation, et puis apporter justement plutôt les micronutriments qui là nous font défaut dans une alimentation conventionnelle. Et ça c'est important, les micronutriments c'est quoi ? C'est des vitamines, c'est des minéraux et des oligo-éléments, c'est sensiblement la même chose, et des antioxydants comme les flavonoïdes ou les anthocyanes. Et alors ça, les plantes sauvages, pouf, ça en regorge. Alors qu'aujourd'hui, les gens se supplémentent avec des compléments alimentaires, avec des oligo-éléments. Voilà. Le problème des compléments alimentaires, c'est que je cherche la façon dont je vais hiérarchiser ça, mais je trouve que déjà ça coûte cher. C'est quand même une chose, hein. D'autre part, ils sont souvent pas équilibrés, parce que on va prendre un oligo-élément en zinc, par exemple, du zinc, parce qu'on a une carence en zinc. Oui, mais attention, un excès de zinc, ça va poser d'autres problèmes, ça va poser d'autres carences. Donc, il faut prendre
quelque chose qui soit bien équilibré. Et puis la source de production de ces oligo-éléments, elle n'est pas toujours absolument, comment je peux dire, irréprochable. Donc ça ne me paraît pas être un bon plan quand on peut faire autrement. Et parmi les plantes antioxydantes que vous préconisez ? Alors là, les plantes antioxydantes, vous savez, c'est toutes les plantes vertes, toutes les feuilles. Tout ce qui contient de la vitamine C, tout ce qui contient de la vitamine E également, tout ce qui contient donc des tanins, tous les différents polyphénols, qui sont des molécules qui sont extrêmement répandues dans le règne végétal, sans en abuser, parce que comme toute chose, un excès de tanins, par exemple, ça va constiper, ça va bloquer l'assimilation de certains minéraux. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est simple, mais c'est un peu compliqué. Mais on s'y retrouve, hein, je veux dire, il suffit de lire mon livre, il est bien fait ce livre, hein, il explique tout. Ça demande quand même un certain apprentissage. Ouais. Il y a un travail personnel à faire, hein, c'est, pas, voilà, c'est simple, c'est mais il y a un apprentissage à faire. Et ouais. Mais de plus en plus, les gens, ils ont quand même envie de se prendre en main, quoi. Ça va, on a délégué pendant longtemps, on a envie de réfléchir un peu par nous-mêmes, on a envie de comprendre un petit peu... Enfin, en tout cas, moi, je donne des stages donc, depuis 50 ans, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes intéressées, et c'est vraiment le leitmotiv, quoi. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de mieux me connaître, j'ai envie de comprendre le monde dans lequel je vis, j'ai envie de pouvoir agir de façon libre, sans subir les diktats de ma culture et de ma société, quoi, et des politiques, entre autres. Vous dites que la cueillette, c'est tout un art de vivre, en fait. Je crois. Parce que ça touche, je dirais, parce que ça touche à la relation. Vous voyez, ça touche à la relation avec soi-même, mais ça touche à la relation aussi avec d'autres de nos contemporains, bien sûr. Parce que quand on cueille, qu'on prépare un repas, on a envie de le partager avec d'autres personnes. Donc on est dans la convivialité, on est dans le partage. C'est chouette. Mais également, et ça me paraît très important, c'est qu'on développe une relation avec d'autres êtres vivants non humains. C'est très à la mode, on en parle beaucoup, du rapport, du respect envers les êtres vivants non humains, ok ? Ça reste un petit peu dans les cercles philosophiques et de façon très conceptuelle. Moi, ce que je propose, c'est qu'on le touche, on le sente, on l'observe avec ses yeux, on prenne le temps, on le goûte, le vivant non humain. Et la relation qu'on développe avec elle, elle prend totalement du sens, parce que, entre autres... Mais à la base, elle nous permet, nous, de vivre, de nous nourrir. Un organisme, il a besoin de s'alimenter. Et vu que les plantes peuvent le faire et qu'en même temps, on a une relation... ça devient une communion, quoi, quelque part. C'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. C'est vraiment un art de vivre. Oui. Alors, vous expliquez dans votre livre que, par exemple, les ONG qui travaillent à soulager la faim dans le monde... en particulier en Afrique, s'intéresse depuis de nombreuses années à une plante, hein, le Moringa oleifera. Oui. Qui a énormément de propriétés, finalement. Oui, comme le pissenlit, l'ortie, la stellaire ou n'importe quelle autre plante. Pas plus, pas moins. Même peut-être moins, parce qu'elle contient des isothiocyanates, des substances qu'on trouve dans la moutarde, par exemple, et qui sont des facteurs antinutritionnels, vous voyez. Ça veut dire qu'on ne peut pas en manger de grandes quantités crues, par exemple. Il faut le faire sécher ou le faire cuire. Ok, très bien. Mais je veux dire, pourquoi le moringa? Pourquoi pas autre chose, quoi? Surtout que le moringa, on plante. Alors, en Europe, oui, ça n'a aucun sens de manger du moringa, de toute façon. Voilà. En Afrique, pareil, ça dépend où on est. En Afrique, quand on est dans le Sahel en été, je peux vous dire, on est content d'avoir du moringa s'il y en a. Ça, c'est clair. Mais dans d'autres régions, moi, je suis beaucoup au Togo, par exemple. Eh ben, Togo, c'est exubérant, hein, quand même. Des plantes, il y en a de tous les côtés. Hein. Et traditionnellement, ils en mangent, les gens. Simplement, maintenant, ils ne veulent plus en manger parce que nous, on n'en mange pas et que comment ils veulent faire comme nous, si je veux dire ça comme ça, de façon un peu simpliste. On ne mange plus la sauce feuille. Moi, quand je vais sur place, quand j'arrive, qu'est-ce qu'ils me proposent? Ils me proposent des spaghettis à la sauce tomate, quoi. Comme tous les bons yovo qui arrivent là-bas. Moi, je dis non, je veux la sauce feuille. Eh bien, ils vont chercher des feuilles, ceux qui connaissent encore, parce que tout le monde ne connaît plus. C'est ça le problème aussi, vous voyez. C'est que les savoirs se perdent tout de même. Et il y a des feuilles de quoi, alors, dans la sauce feuille? Il y a des feuilles de toutes sortes de choses. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est Vitex doniana. Vitex doniana, c'est un arbre. C'est un arbre, en plus. Vous imaginez, manger des arbres, c'est fabuleux. Nous, on a les feuilles de tilleul.
Là, ici, à Paris, en ce moment, c'est plein de feuilles de tilleul, des petites feuilles comme ça. Je passe, les branches sont à portée, je broute quoi, directement, c'est trop bon comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est agréable, ça me fait du bien. Et puis, il y en a partout. Quoi. Donc, c'est vrai que les feuilles d'arbres, ça peut être un bon plan. En Afrique, traditionnellement, ils faisaient ça. Bon, l'art de changer les mentalités. En tout cas, ça passe par la lecture de votre livre. Ça s'appelle L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages, pardon, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bon, c'est un plaisir, hein, François Couplan, de vous écouter. Vous êtes, voilà, on pourrait vous écouter des heures. Ah, mais il n'y a pas de problème, moi je suis là. Vous êtes à Paris pendant quelques jours, donc il faut profiter de vous. Oui. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez cette émission sur la chaîne YouTube de beurrefm. Merci d'avoir été avec nous, François Couplan. Grand plaisir. Merci grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec nous et passé une très belle journée. Santé sur beurrefm.